7654321. Yo. Particulièrement à cœur parce qu'il était sur la première carte du Kick and Clash 2 il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'il gratte. Donc s'il y a un choc, vous avez le droit de les huer. Alors, d'un côté, on a une personne. Enfin, les deux, vous les avez vus à Kick and Clash 1. Ça a été 2 rookies du Kick and Clash 1. D'un côté, on a une dame, c'est la plus couillue des battle rappeuses. Elle a de l'expérience dans ce qui est de battle des toutes sortes de caméras, des appareils photo, enfin un peu tout. Vous l'avez plébiscité au Kick and Clash 1, vous avez bien plu. Faites du bruit pour Noli! Comment ça? Je me mets où je veux. Où tu veux. Et la deuxième personne. Oh non, attends. Il était aussi là. Ça va. Bah c'est bon, je te dérange pas. Il était aussi là à Kick and Clash 1. Il vous a beaucoup plu, on m'a beaucoup parlé de lui. Il revient après 2 ans de silence dans tout ce qui est battle rap. Pardon. Faites du bruit pour Psycho. Ouais. Noli, d'habitude je dis Kick and Clash, mais là on est au Kick and Clash, donc Kick and Clash, merci de m'avoir invité encore une fois. Ça fait longtemps que je l'ai pas demandé. Est-ce qu'il y a des PD dans la salle? Ouais. Ça fait plaisir, je fais ça pour vous les potes, je vous aime. Merci YKO, je fais du son depuis que je suis gosse, je dessine aussi un peu malgré mon âge. D'ailleurs, si tu veux un tatouage, tu m'appelles. Je mettrai Psycho sur ta peau, on pourra dire que j'ai signé une décharge. Le cuento, ça a été fait en amont. Non, j'ai pas regardé mon téléphone, c'est Psycho qui va commencer, on est d'accord? C'est parti. C'est ça. Kicken Clash! Kicken Clash! Psycho, premier rang. 1, 2, 3, le soir tu te mets des doigts. 4, 5, 6, on t'a coupé la saucisse. 7, 8, 9, tu t'es pris pour une meuf. Et 10, 11, 12, on te veut pas, même en partout. Je débarque puéril comme l'enfant que t'auras jamais. Un croisement de Mr. Bean et Diana qui est bourré. Ça donne le ton de la partition, un sacré morceau. Gaulé comme un saucisson, mon chien voudrait même pas la peau. T'as l'assurance d'un salsifis dans une salade fourzitou. Puis l'élégance d'une otarie qui se balade autour des égouts. Tu sais, la France, c'est un pays où on peut voir de tout. Même des trans à calvitie qui ont plus de poils dans leurs dessous. Douce trans, excisée dans la souffrance, bercée de tendre insouciance, même fardée, tu fais peur. T'aurais pu t'appeler Charles Traîné, car t'en as l'allure. L'avantage, c'est que t'as ni les saignées ni les brûlures. T'as revêti ton personnage comme un putain de cosplay, mais ma fille, à ton âge, t'es pas la seule à jouer. Moi j'ai du mal à me faire une place, ma vie je l'ai hallucinée, je vois plus rien dans la glace. Toi t'as changé de reflet, trop jeune pour porter un masque. La vie c'est de s'assumer là où les autres te font face. Et pour toi j'ai du respect, pas facile de s'arracher les couilles dans une société où les mecs comme mon début de battle grouillent. Mais j'ai quand même quelque chose à redire. C'est bien, tu te coiffes, tu te maquilles. Mais arrête de tenir ta bouteille d'eau comme un chibre. Ça te donne un air dégueulasse. Les épaules abattues, même ton collant se lasse. T'épouser ton cul. J'ai du talent, t'as des talons. T'es dans le tourment, j'ai du galon. T'as mis tes bas, mis te cracra. Tu fais la belle, mais bois de l'accro. T'as les yeux comme des acras quand tu fais si sur Let's Go. Tu veux bien faire, reste à l'écart. Tu feras jamais lever les foutres. Tout ce que je te souhaite, c'est bizarre, mais c'est d'aller te faire foule. T'as fait une reprise de Charles Traîné. T'as dit excisé dans la souffrance et ça avait l'air de leur plaire. Mais la vérité, c'est que c'est ce soir qu'une petite pute se fait enlever ses lèvres. Oh! Je parlais à un pote récemment et il me disait que le battle rap s'est rendu chiant. Les MC, plus personne les comprend. Rien que ça fait référence à des détails insignifiants dans des événements qui se sont déroulés il y a plus de 2 ans. Je le comprends complètement.
Sauf que dans mon cas, c'est embêtant parce que mon adversaire, bah, c'est un détail insignifiant dans un événement qui s'est déroulé il y a plus de 2 ans. Kick and Clash 1, c'était il y a 2 ans. En 2 ans, j'ai pu écouter toutes les remarques, prouver que je pouvais te battre. J'ai tout fait pour être là et j'ai découpé des couplets de barge. Toi, en 2 ans, t'as même pas eu le temps de te faire pousser une nouvelle barbe. Psycho, on est au même endroit sur la carte, dans ce genre d'entre-deux. Mais crois pas que ça me gêne. On est l'exemple de la différence entre être dans le milieu et être dans la moyenne. Parce que t'es pas mon match-up de rêve. Je te le dis tout de suite, comme ça tu le sais, tu l'acceptes. Pour moi, t'es juste mon ticket d'accès au buffet du backstage. Merci pour les quiches, c'était délicieux. Merci, big up Rabelais. Merci pour les quiches. Mais parce que... Non, j'ai peur de mon texte avec ces conneries. Le ticket... Ah, c'est bon, je l'ai. Parce que personne n'en a rien à foutre de toi. Je vais te le dire avec un ton cru, parce que t'as l'hygiène du mec qu'en a rien à foutre des autres non plus. Je suis une jeune qui se bouge. T'es un junkie louche. Ma carrière en 2 ans, bien. Ton existence entre 2 ans, rien. Le Xan. Mais... Et puis, tu vas me dire que ta dégaine est hip-hop. Mais moi, c'est ton odeur que je trouve louche. Un film d'Alfred Hitchcock. La seule fois où Psycho se passe sous la douche. Non, parce que chez toi, t'es bien, t'es à l'aise. Mais y'a tout qui commence à périmer. L'esco t'a appelé, t'as demandé si t'étais dispo le 13. Tu lui as dit, attends, quoi, le confinement est terminé? Et... Parce que... 2 ans pour avoir ça, et c'est pas fou. Va falloir que t'élèves le niveau, dog. C'est super chiant de t'avoir en rendez-vous, et en plus, tu progresses pas. T'es un psycho-log. Toyeka l'expliquerait, elle était complètement folle. Non, mais il est prof de maths, c'est pour ça. Et aussi un truc... ça fait 2 ans que je suis l'unique objet de ton texte. Alors, je me plains pas, j'apprécie l'attention, mais t'as tellement eu une transe dans la tête, on aurait dit Saint-Sou qui faisait une fellation. Let's go. Et... C'est pour la vidéo. Et... Tu sais, j'enlève les gants. Mais crois pas non plus que je te prends au sérieux. Psycho, crois-tu que je tremble? Parce que là, si je te regarde dans les yeux, c'est juste que si je me retourne, bah j'oublie à quoi tu ressembles. Donc... Demain c'est dimanche, c'est ton jour de repos, et je te conseille de t'en servir pour méditer sur ton retour. Pour venir ici, t'as dû appeler l'ESCO, pour repartir d'ici, tu vas appeler les secours. Time! Time! Kick'n! Clash! Kick'n! Clash! Deuxième round, Psycho. Malgré tes études en lettres, ce soir tu vas te vautrer, tu finiras prof de français à faire peur à des mouflets. T'as pas le don que j'ai pour la vie et ses écritures. Tu vois le danger là où j'ai vu un écrin pur. Je vais te saigner dans un récit et 1000 brisures. Tu vaux même pas songer, je parle même pas de shit pur. J'ai des refrains qui te feraient pas lire, que tu pourrais même pas divertir. À comparer, tu sais pas lire, il serait bourré, je lui dirais tire. T'as pas d'aplomb, tu pèses pas lourd, tu viens pas de ma planète. Ce que tu racontes, c'est des balours. Quand je vois ta gueule, c'est pas net. Ta différence n'est pas banale, tu pourrais être ma sœur. En attendant, dans un naufrage, t'es qu'un mâle en sueur. Un mâle qui ronge et qui t'obsède, que des face cam dans ton labeur. Et dans les songes de ses adversaires, est-ce un drame si je laboure? Mista, je l'ai retrouvé sous tes draps, Darwin, je l'ai vu à la clinique. Il était le fabuleux papa d'un tout nouveau prototype. On savait pas que c'était possible, m'a dit d'un air charismatique. J'ai visé la mauvaise cible, j'étais bourré, j'avais la trique. Je comprends enfin ton géniteur, j'apprends que t'as plus l'appareil. Je comprends enfin que ton génie tue, putain tu te prends pour une femelle. T'as pas l'habitude de t'habiller en meuf, t'es qu'un faux traf qui se la joue nouveau genre. Et dans ton style y'a rien de neuf, t'es qu'un gentil petit gendre. Tu te passes la main dans les cheveux en tirant dessus comme un pompon. Dis au revoir à tes aïeux, je vais te scalper petit garçon. Tes revenus sont pas terribles, tu veux piquer dans mon assiette? Coup de tête et pas terri, ce soir je te mets à la diète. Jeune yogi des années 20 du dernier millénaire, c'est Noli, ce jeune gamin qui vient prouver ses travers. N'ayant que peu d'amour, propre ou sale d'ailleurs, pour sa propre personne, il ou elle débaroule coffre de mâle en tailleur qui dans sa torpeur résonne. Nul ne connaît le fruit du jeûne qui s'agite comme un cabri. Nul ne soumet le prix du jeu sur aucun des paris. Le loup bien trop vorace n'attend plus mais s'en amuse. Je parle de moi, connasse, va-t'en toi et tes excuses. Tu perds ton temps sur scène, tu me fais gagner le mien. T'es qu'un enfant frustré qui s'est cassé le frein. Time. Time. Deuxième round, Noli. Eh. Tu parles. Ça fait 2 rounds, tu parles de quoi? Ma chatte et je suis trans.
Bon, ça fait partie du jeu, faut s'y faire. La différence entre moi et tes angles, moi au moins, je suis pas binaire. Il va falloir que tu révises tes classiques. On n'évolue pas un psycho-couac en Alakazam. Par contre, moi, j'ai la technique pour transformer cet idiot-wack en amas de cadavres. Quand tu fais tes couplets, on a l'impression que t'es en train de tout tuer, que tu mélanges fatalité et Hadoken. Alors que le seul combo que tu fais, c'est quand ça te prend un quart de round avant d'arriver au punch. Et ça a peut-être sonné méprisant, mais depuis le début, on aurait dû te chasser de la pièce. Ta présence ici, c'est une insulte à tous les participants du KCHS. Parce que dans toute la relève, il y avait le choix. Et toi, ton ancienneté, c'est ta seule valeur. Alors, Mista, dis-moi pourquoi t'oses prendre la place de quelqu'un de meilleur. Si le kick and clash, c'est le marché de l'emploi, t'en es devenu le baby-boomer. Et rien à voir, mais je suis tellement bonne. Quand ton daron homophobe me croise, il dit si la famille. Je suis tellement bonne, quand on me demande de faire des multisyllabiques, je fais 6 syllabes faciles. T'es un mec de Bourg-en-Bresse. L'escot t'invite pour pas te défrayer. T'es moche. Non mais fact. L'escot t'invite pour pas te défrayer. T'es moche et t'es plus à la mode. T'es un pantalon pas te défrayer. Avec. Ça continue. Avec Dead Moon, on va rendre visite à ta grand-mère. On laisse tous les pas défrayer. On s'en fout. Tu comprends. Je demande. Toyeka a pas fini de me les compter. Je laisse tous les pas défrayer. Je t'écris une phase, tu la lis et t'es comme waouh. Parce que ça t'est pas d'être frais, yeah. Je te prédis une morsure. Chacun de mes tirs, c'est une morsure. J'ai des balles cannibales. Je fais des rimes tellement riches que tu crois que c'est de la triche. J'ai des balles cannibales. Et puis... Libérez Patrick. Justice pour Patoche. Et puis... Il est dehors. Il est là. Super bonne nouvelle. Et puis faut que tu le saches, mon arme vient de loin, le canon et kanak. T'aurais dû annuler ce match-up une quatrième fois comme l'autre canot et kayak. Le battle rap, c'est pas Pokémon. Y'a rien de spécial quand Psycho m'attaque. Je te trouve j'ai l'impression que t'es un précurseur. Tu faisais du Nikoka avant qu'on trouve Nikoka Wack. Et puis, quand un slammer vient à un event de battle rap, on se fout de sa gueule. Quand Psycho va à un event de slam, on se fout de sa gueule. Puis là, vous foutez de ma gueule, mais je devine. Hein. Non, mais je rigole, je te charrie, Psycho. En vrai, t'as une technique qui fait peur. Tes rounds, c'est des énoncés de philo, et les punchlines, elles sont laissées en exercice pour le lecteur. Alors si tu veux, tu me le fais, ton petit cours minable. Mais ça va pas empêcher le fait que je te soulève ce soir. Et évidemment que t'es inoubliable, parce que pour t'oublier, faudrait déjà qu'on se souvienne de toi. Tu t'es dit, vas-y, let's go. Le kick and clash, c'est mon endroit, je peux faire mon retour. Pour venir ici, t'as dû appeler l'ESCO. Pour repartir d'ici, tu vas appeler les secours. Okay. Time. 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 Ouais. Comment ça? Troisième round, Psycho. Bah, silence. Chez lui, c'est free party et j'ai massé le concept. Un suppôt de kétamine, il se prend pour casse-noisette. Noli, ahuri, son god prend vie, parle dans sa tête. Coucou, abruti, toujours en vie, tu fais la tête. Ton trou-trou élargi, faut pas t'en faire, c'est la magie de tonton Copsy et de tes frères androgynes. C'est pas possible ce déguisement, arrête un peu tes balivernes. Tu vas vivre un déchirement agnostique de l'appareil. La preuve en est, t'as deux grelots et tu peux rien y changer. T'es né comme un seul jumeau que je viens exorciser. On t'a enculé jusqu'au fond et quand tu pètes ça fait des bulles. Chez toi c'est la tradition, tu kiffes les prêtres, surtout Dudul. Sorti du catéchisme, chez les X-Men c'est l'héroïne. T'as mal choisi ton clitoris, appelez-la Vulvérine. Et dans la vie, il y a la drogue et ses effets redoutés. Et puis il y a les dogmes, son gris-gris à se péder. Faut pas penser qu'il est sincère, ce drapé n'est qu'un mirage. Il est né 6 pieds sous terre, obsédé par l'apanage. Et ce pouvoir, il le tutoie, de même que le maître que je suis. C'est pourquoi il se fourvoie dans les vêtements d'une petite fille et il ne joue pas, il s'exalte d'être celle qu'il aimait tant. Et ton trou, moi je l'éclate, t'es pas belle mais j'aime le sang. Aucune retenue dans la parade de mes propos démonisants. Essuie ton cul que j'y mette un doigt, tu verras comment je suis puissant. Tu parles de moi comme d'un délire, t'sais pas ce que c'est que d'être schizophrène. Je pourrais enfanter Noli comme lui offrir des chrysanthèmes.
J'ai profité de ma jeunesse pour être un sale con. Soit je profite de mon ivresse pour te jeter du balcon. Et je serais curieux de savoir combien de fois on a voulu me tuer. Mais ces connards n'ont pas de couilles. Et si je battle contre toi, c'est pour m'y habituer. Time. Oh. Time. Troisième round. Noli. Il parle beaucoup de mon trou de balle, non? Non mais, parce que... Je voulais pas trop faire des vannes homophobes, parce que me voyant, c'est illogique. Mais toi, t'as perdu la tête. On a l'impression que tu suces tout le monde jusqu'au sang, t'es psychotique. Vous la commanderez plus tard, c'était un flip. Mais bon, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre des murmures, des rumeurs, des mensonges et de tous les bruits de couloir. Parce que Quentin, t'as le droit à la vérité, t'as le droit de savoir. Donc il va falloir que tu t'approches, il va falloir que tu t'accroches, mais le kick and clash, c'est une fiction totale. Actuellement, t'es au service psychiatrique du CHU de la région Rhône-Alpes. Rigolez pas, c'est très sérieux. Tu te souviens de tes soirées seules, pas si folles? T'avais ton mauvais shit et les mains fébriles. Tout seul, tu t'es rendu compte que la camisole, et ce, bien avant qu'on te l'enfile. Mais une soirée où t'avais trop stické, t'as commencé à te prendre pour un rappeur puissant stylé. On t'a amené chez nous et on t'a diagnostiqué un trouble dissociatif de l'identité. Vous comprendrez plus tard. Devant les tests, pour nous c'était un mystère. On s'imaginait déjà le pire. Le résultat est tombé, t'es comme ta mixtape. En l'état, c'était criminel de te laisser sortir. Mais l'hôpital, pour un jeune homme, c'est mortifère. Donc au lieu de te gaver de somnifères, moi, ton infirmière, j'ai décidé de mettre tout ça en place pour donner un endroit pour te distraire. Et ça dure depuis beaucoup trop longtemps. Donc il faut qu'on arrête de faire sévir ce combat. Tout le public, c'est des figurants. Et lui, c'est Julien du service compta. L'ESCO, c'est une projection mentale que tu te fais pour pallier l'absence de papa. Tous tes potes qui t'accompagnent aux événements, c'est des enfants autistes qui mangent leur caca. C'est-à-dire que pendant que toi, dans ta tête, tu faisais des hits, que tu te disais « je mérite une promotion, c'est génial », notre chirurgien te sauvait la vie de ta propre commotion cérébrale. Et puis, tout le monde a joué à ce... Putain. Tout le monde a décidé de mettre la main à la pâte. Et on espérait que ça allait t'aider à terme. Tu te rends compte que même ton psychiatre s'est mis à te parler en te faisant des patterns. T'étais un cas passionnant à étudier. T'étais un cas passionnant à étudier. Un putain de cas d'école rare. Tu pouvais t'inventer toutes les vies que tu voulais. Et t'as choisi celle du rappeur qui décolle pas. Mais bon, ça a duré pendant beaucoup trop longtemps. Donc si ce soir, j'inaugure le kick and clash retour à la raison, c'est que dehors, il y a ta maman qui t'attend et elle veut qu'elle ait son fils à la maison. Donc, tu t'es construit ta prison mentale et ses propres barreaux. Et j'espère que tu vas t'en sortir un jour. Redeviens Quentin, lâche psycho, je te jure qu'il est encore temps pour faire demi-tour. Parce que toutes ces conneries que tu te racontes, ça va te griller le cerveau un jour. Et si toi, dans ton cas, tu veux appeler les SCO, bah moi, je vais surtout avoir besoin d'appeler les secours. Time! Kikan! Yes! Kikan! Yes! On va voir les juges! Ouais! Yo, Kazuhira pour... le kick and clash 2, donc on est là pour juger le battle Noli contre Psycho. Alors moi je vais faire vite, je l'ai donné à Noli de 1. Je donne le premier round à Psycho. En fait ce que j'ai bien aimé c'est l'éloquence qu'il a pu avoir sur le premier. Et je trouve en fait qu'il s'est perdu justement sur les deux autres. Là où Noli a fait 3 rounds, je pense pas que ce soit du tout sa meilleure perf loin de là. En revanche, les 3 rounds étaient du même niveau. Et du coup, ce qui fait que sur la longueur, je l'ai donné à Noli. Parce que je trouve que ça a baissé du côté de Psycho. Ouais. Nari, du coup, je donne aussi 2-1 pour Noli. Toujours dans le même principe, premier round pour Psycho. Il est bien entré en matière, là où Noli a un petit peu botté en touche, sur lequel elle est bien revenue sur les deux derniers rounds, hein, sans problème. Après, ce que j'aimerais souligner, c'est que, comment expliquer,
l'angle en fait sur le fait que ce soit une transe, il l'a abordé d'une manière différente où il a pas forcément fait que des blagues de gamins, il est arrivé plus ou moins dans un personnage moralisateur. C'était innovant et ça a bien pris avec le public, mais pour moi ça va 2-1 avec Nolly. Après son troisième round, son immersion avec l'histoire de l'hôpital psychiatrique, etc., ça a bien accroché avec le public, moi aussi, donc pour moi 2-1 Nolly. Bah moi tout pareil, allez salut. Non, je vais développer un tout petit peu, mais je pense vraiment pareil, 2-1. Moi je connaissais pas Psycho, j'avais pas vu sa première perf. Du coup, surpris par son flow, un côté dynamique qui m'a vraiment plu et une façon de faire qui est pas comme les autres. Du coup, effectivement, il utilise l'angle du transsexuel, mais il le fait bien. Et Nolly, elle est un peu hésitante. Il y a toujours de l'efficacité sur les 3 rondes, mais sur les 3 rondes, elle est un peu hésitante. On voit qu'elle connaît pas bien sa perf, je pense. Où il y a quelque chose qui l'a déstabilisé, j'en sais rien. Mais sur les 2 autres rondes, Psycho, il m'a perdu parce qu'il n'y avait plus que son flow et ça punchait très peu sur les 2 derniers. Et en plus de ça, son flow il est cool, mais il est un peu monotone et répétitif. Et donc au bout d'un moment, même son flow il me faisait plus l'effet qu'il m'avait fait au début. Donc c'est pour ça que je donne les 2 autres rondes à Nolly, mais effectivement je pense qu'elle a déjà fait mieux et qu'elle va refaire mieux. Il y avait des bonnes idées, le truc de l'hôpital psychiatrique de on est tous des fous, c'est vraiment très bonne idée. Mais comme elle a hésité, ben ça a pris, mais ça aurait pu prendre encore plus, je pense. On est revenu pour le résultat des juges. C'était bien ou pas? Ouais.